L'EuroCampus de Zagreb, au départ, a été créé parce qu'il y avait un besoin de trouver des locaux pour deux écoles. C'est le point initial, celui qui a été, je veux dire, la graine qui a fait germer un projet. D'abord, c'était deux écoles sous le même toit, seulement l'organisation ensemble. Mais maintenant, on commence à avoir des cours ensemble, des ateliers ensemble, des projets ensemble. Donc, c'est maintenant très vivant. Je trouve que c'est une très bonne idée d'enseigner à une école où il y a deux nations, les Français et les Allemands, parce qu'on a toujours la pratique. Au commencement, c'était un peu bizarre pour être tous ensemble et ne pas parler la même langue, mais maintenant, il n'y a aucun problème. C'est Croate qui les réunit. It's a building. We're all in the same building, and yet so often they don't even know each other's names. So in this program, they're learning each other's names. They're learning each other's culture. They're having to interact and converse with each other. So hopefully there's change in the playground where they're interacting and playing with each other naturally. Nos systèmes respectifs attirent naturellement, je veux dire, des populations différentes, des populations qui peuvent avoir un intérêt pour le français ou un intérêt pour l'allemand, mais de par notre, justement, notre association, les familles sont d'autant plus attirées que justement on véhicule des valeurs européennes et des valeurs internationales. Et on voit l'évolution au sein de l'EuroCampus, puisqu'ils demandent, les enfants demandent, mais comment on dit ça en anglais, comment on dit ça en croate, parce que je voudrais jouer avec les copains. Il y a un gros côté positif, on a les enfants qui s'entraident beaucoup plus. Il y en a toujours qui comprennent la langue mieux que d'autres, alors ça devient beaucoup plus interactif. C'est pas seulement moi qui enseigne les classes, ce sont les enfants qui s'entraident aussi. Alors c'est ce qui est intéressant dans un groupe mixte. Le côté positif, c'est bien sûr la coopération qui offre des avantages pour les élèves, de se connaître, de parler la langue du partenaire, de s'engager dans des projets communs, comme dans le théâtre de l'EuroCampus, où les élèves français parlent allemand et les élèves allemands parlent français. Donc on peut pratiquer la langue, on vit vraiment l'Europe. En croate, on dit que ta valeur, c'est combien de langues tu parles. Et si les enfants ont la possibilité de se mettre dans un système français et apprendre la langue française parfaitement, et aussi apprendre sur la culture française, ça donne une valeur à cette personne aussi. Et ça t'enrichit, je pense. Et c'est vraiment la richesse du franco-allemand, au-delà justement de nos préjugés, de nos différences, de nos difficultés à parfois travailler ensemble. C'est une richesse quand on y arrive. Et la réussite, modeste certes, mais elle est quand même là, c'est de voir des enfants qui sont contents de venir à l'école. Quand la France et l'Allemagne s'associent et réussissent, c'est porteur de sens, c'est porteur de valeur et c'est une réussite extraordinaire. Et rien que pour ça, ça mérite de se battre.